Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur un riff de Lynyrd Skynyrd de Sweet Home Alabama. Alors, on va commencer sur un accord de Ré majeur, donc la position du Ré majeur éventuellement, je vous le rappelle. Alors, Ré, corps de Ré à vide, ensuite index à la case de l'accord de Sol, troisième doigt à la case 3 de l'accord de Si, et le majeur à la case 2 de l'accord de Mi aigu. Donc, on va démarrer sur un temps. Alors, les deux premières notes, c'est l'accord de Ré à vide qu'on va faire sonner en fin de compte. Il va falloir, entre ces deux notes, il va falloir qu'on marque un silence. Il ne faut pas qu'on ait cette succession de notes qui sonne comme ça. Parce que là, ça fera un espèce de mélange et on n'aura pas le rendu final qu'on souhaiterait avoir. Donc, pour pouvoir le faire, ces deux notes, en fait, entre les deux, on va venir plaquer simplement notre paume au niveau des cordes, comme ceci, je me rapproche un petit peu. Voilà, de façon à ce que chacune des deux notes soit bien détachée l'une de l'autre. Donc on démarre sur un temps. Ensuite on est sur le Ré majeur, donc on a l'accord de Si. Donc les trois premières notes avec des coups de metteur en bas. Bas, 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 haut. La quatrième note, celle qu'on va jouer par le haut, donc c'est l'accord de Sol à la case 2. Ensuite, l'accord de Ré à vide, on va également la prendre vers le haut. Donc ce passage-là, on va arriver sur un accord de Do en fin de compte. Alors, on va se mettre, donc pour cette position-là, on va se mettre alors le majeur sur la note Do de l'accord de La à la troisième case, l'index sur l'accord de Ré à la case 2, on a l'accord de Sol à vide, je vais arrêter un petit peu le métronome, l'accord de Sol à vide, la troisième case de l'accord de Si avec le troisième doigt, et le quatrième doigt, corde de Mi aigu, troisième case également. Donc on aura cette position-là. Et on jouera que sur les trois cordes La, Ré, Sol. Donc là, on attaque en bas. Ensuite, on va prendre vers le haut l'accord de La à vide. Et on reprend notre accord ensuite. Ensuite, donc, on est toujours sur le même accord. C'est exactement la même rythmique que sur le Ré en fin de compte. Donc là, ce qu'on va faire, on prend l'accord de Si vers le bas. L'accord de Sol à vide en haut. Donc ce que je vous conseille de faire déjà, c'est éventuellement, si vous avez un petit peu des difficultés, de commencer par travailler ça. Déjà. Parce que c'est le même rythme qui va jouer sur les deux accords. Donc respectez bien les coups de médiator, c'est vraiment important pour qu'au niveau de la main droite, vous ne fassiez pas n'importe quoi par la suite. Bas, 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 haut, ou bas. En fait, on place les coups comme ça parce que c'est un mélange de croche et de double croche. Donc là, c'est vraiment pour conserver une main droite la plus régulière possible. Bas, 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 haut, bas. Ensuite, même chose sur Do. Alors, sur le Do, ça change un tout petit peu. On va venir passer avec un coup vers le haut. Plutôt que de marquer un silence, comme on fait sur le Ré, on va le faire comme ça. On passe par l'accord de La à vide. Donc vous pourrez, je remets le métronome en route pour que vous puissiez bien voir où est-ce que tombent les notes par rapport au temps. Ensuite on va arriver sur la position du Sol. Donc je détaille un petit peu la position du Sol. Donc c'est exact, on va faire exactement comme sur la position du Do qu'on a vu. Sauf que on décale simplement le majeur et l'index d'une corde vers le haut. Donc majeur sur l'accord de Mi grave et l'index sur l'accord de La.
Donc même champ d'attaque que sur la corde de Do majeur. Et là on viendra terminer sur la corde de Sol à vide. Alors ensuite on a un passage qui mélange un petit peu donc des hammer et des pulling off. Alors je vais remettre un petit peu le métronome pour que vous sachiez toujours pareil comment tombent les notes. Encore une fois. Alors je vous explique un petit peu ça. Donc on arrive sur l'accord de Sol à vide. Donc là on va jouer par le bas. Ensuite donc ça fait en bas, l'accord de Ré à vide, l'accord de Sol. L'accord de Sol qu'on va prendre vers le haut cette fois-ci, donc ça fait bas, bas, haut. Donc là pour l'instant c'est que des cordes à vide. L'accord de La qu'on va jouer vers le bas. Ensuite, une fois qu'on a fait l'accord de La à vide, on va faire un hammer avec le majeur. Enfin, au niveau doigté, vous pouvez trouver d'autres solutions. Moi je préfère prendre cette combinaison là, mais bon, il y a bien sûr d'autres doigtés possibles. Donc vers le bas, accord de La, hammer avec le majeur, corde Ré à vide, vers le bas. Ensuite, vers le haut, l'accord de Ré. Vers le bas, l'accord de Ré à vide, mais faites avec un pulling off. Pardon. Ensuite, on récupère vers le haut, l'accord de La, case 2. Et vers le bas, l'accord de Sol, à la case 2, pour finir avec un pulling off. Alors c'est un passage qui n'est pas évident, donc n'hésitez pas à l'isoler, prendre uniquement ce passage-là et à le faire tourner. Jusqu'à ce que vous réussissiez à le passer bien. Évidemment, il faut déjà un petit peu de temps pour réussir à faire comme ça. Alors, sur le second passage, donc on a exactement le même riff, sauf qu'à la fin, on va terminer par un passage qui sonne comme ceci. Alors, je vous le refais une fois ou deux avec le métronome au tempo ralenti pour que vous puissiez toujours bien savoir où est-ce que vont tomber les notes. Donc, on démarre sur un temps avec la corde Sol à vide. Donc, deux fois la corde Sol. Ensuite, on va jouer la corde Sol à la case 2 pour faire sonner la note là. Ensuite, un pull-off à vide. On réattaque à nouveau la corde Sol vers le bas. Ensuite, on va prendre la case 4 pour faire sonner ainsi. On va de préférence prendre également vers le haut. Ensuite, la corde Sol à vide avec un pulling off. Pull-off. La corde Ré à vide vers le haut. Enfin, on va terminer sur la note Do à la case 5 de la corde Sol. Alors de préférence, moi je vais plutôt le faire avec le troisième doigt parce qu'on va venir faire un bend qui va faire un ton. Donc de la case 5, on va venir rattraper la note Ré de la case 7 en fait. Alors pour pouvoir, alors lorsque vous allez faire des bends comme ça, le minimum c'est au moins de tirer juste. C'est-à-dire, le but du jeu c'est déjà d'avoir un petit peu dans l'oreille la note que l'on va vouloir atteindre. C'est-à-dire ici on est sur la note Do. Le but du jeu ça va être de faire un bend de un ton de façon à atteindre la note Ré ici. Donc on peut se mettre pour s'exercer déjà, se mettre un petit peu dans l'oreille le son de la note Ré et de façon à pouvoir l'atteindre. Alors si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.